tout le monde, c'est solution parfaite. On se retrouve aujourd'hui pour se faire la suite de notre aspect sur Dragon Quest. Donc la dernière fois, du coup, on n'avait pas pu finir du coup notre potager parce que du coup, on était à court de temps. Alors c'était quoi la dernière fois qu'on était en train de faire dans le potager? Je m'en rappelle plus. Alors il me semble que la dernière fois, on voulait planter des graines. Ah oui, alors c'était quoi déjà les graines? Ah oui, c'est les graines de blé. Est-ce que les graines de blé, j'en ai ou j'en ai plus? Alors je sais plus si j'en ai fabriqué des graines de blé. Bon, je vais regarder pour voir si j'en ai fabriqué. Alors faut aller où déjà pour les fabriquer. Alors je suis sûr et certain que j'en ai pris, que j'en ai fabriqué, mais bon. Je sais, attends, je vais pas reparler. Graines de blé, j'en ai pas. Alors je vais regarder pour voir si j'en ai ou pas dans mon inventaire. Mais je crois que j'en ai pas du tout, hein. Non, bah j'en ai pas. Bah, ce que je vais faire, c'est que vu que j'en ai pas, c'est dans le téléportail bleu, dans le téléportail rouge, je crois. Je crois que c'est dans le téléportail bleu, mais je sais plus du tout. Non, c'est dans le téléportail rouge, mais je crois, oui, c'est ça. Hein. Bon, on va essayer de finir ça, du coup, parce qu'on n'a pas pu le faire. On va essayer de le finir. Hein. On va essayer. À chaque fois que je viens là, il pleut. C'est bizarre, hein. Ah oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je lance Dragon Quest, il pleut tout le temps. C'est quand même bizarre, mais... Et du coup, j'ai pas le choix de faire ça pour monter. Mais encore, ça m'arrange même pas trop, ce que j'aime pas. Je peux même pas vraiment monter au max, quoi. Ah bah 10 éléments, j'arrive pas à monter. Comment je vais faire pour monter en vrai? C'est la galère en vrai pour monter. Mince, je meurs de faim. C'est bon, j'ai trop mangé, j'ai des prunettes. C'est parfait. Alors pour le blé, j'ai envie de dire, normalement on peut en trouver par là, parce que j'ai des souvenirs, mais je sais qu'on peut en trouver. Il y a combien d'épis de blé pour récupérer ça? Je ne sais pas trop. Coton. Coton, épis de blé, enfin, je vais récupérer ce que je peux en quantité, on va dire. Hein. Par contre, ça c'est un ennemi, ça. Ouais, une fenêtre. C'est pas logique qu'il donne une fenêtre, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bon, nous on va rentrer parce que là on va laisser faire dodo. Par contre je prends très cher là, mais c'est pas tant pis. Il faudrait que je me soigne parce que là j'ai pris beaucoup de dégâts en tombant comme ça moi. Ah bah il pleut. Ah bah yon, comme ça on est tranquille. Hein. Alors graines de blé, est-ce qu'on peut en faire du coup maintenant? Ah ouais, voilà. Donc effectivement j'en avais jamais fabriqué parce que du coup j'en avais pas de quoi faire. Hein. Des graines de blé, j'en avais pas. C'est bien ça. Faudrait que je fasse cuire des pinces de crabe. Hein. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait, oui, il voulait des frites, mais du coup, je pouvais pas en faire parce que j'avais pas ce qu'il faut, mais maintenant. Ah mince. Alors, est-ce que j'ai une panne ou quoi? Parce que le problème, c'est que là, si jamais je l'enlève, je crois que ça va la casser, la graine. Hein. Alors, je crois que si je fabrique une pelle, je vais pouvoir normalement l'enlever sans l'abîmer. Je suis pas sûr et certain, mais la pelle ça s'arrête avec quoi? Alors ça s'arrête avec des branches cassées et j'en ai pas. C'est embêtant quand même de pas avoir de branches cassées. Alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que si je, alors c'est bizarre, mais si je pêche hein, là,
Et bah je suis sûr que le serpent l'a vraiment chassé. Bizarre, mais en vrai c'est pas mal. Alors comme par hasard l'ennemi va m'ennuyer, alors que je vais faire ça. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Et comme j'ai dit, hein, je suis sûr et certain d'avoir une branche cassée, c'est en fait un moyen d'avoir branche cassée unité. C'est pas la première fois que je le fais et je sais que ça marche. Et là, hop, regardez, quelle chance, j'ai gagné une branche cassée. Je vous avais dit en fait qu'on peut obtenir des branches cassées juste en branchant. Alors c'est pas hyper rentable, c'est pas très pratique, mais au moins ça évite de faire des allers-retours. Bah, ça évite vraiment de faire beaucoup beaucoup d'allers-retours quoi. Ah ouais, alors par contre le problème c'est que moi mon marteau il va bientôt casser, mais je vais pas avoir la branche cassée. Vous avez des choix que des branches cassées, hein. Ah il faut 3 branches cassées, donc ouais, je fais ce qu'il faudrait que je pêche 3 fois. Alors attends, pourquoi je peux pas mettre ça? Ah parce que parce que je suis plein. Alors je vais essayer pas du tout si ça va marcher. Et bah ça marche pas. Donc j'ai fait ça pour rien parce que au contraire ça l'a cassé quand même les gars. Donc je me suis fait avoir. Et par contre là non, il faut vraiment définitivement que je mette le jour là, ça va pas le faire. Vite. Dès qu'il y a des ennemis je peux plus dormir. Non non, je vais pas faire ça, je vais dormir, non je peux pas dormir. Dormir. C'est bon, on est sauvé. Ah oui, c'est vraiment les nuits sur le jeu, c'est tendu. C'est si tu mets pas le jour, t'es foutu quoi. Là, on n'est pas passé loin là pour le coup. On est vraiment pas passé loin. En plus, il a cassé ma porte d'entrée. Hein. En plus de ça, non, mais c'est relou quoi. Il a mis où ma porte d'entrée hein. Il a cassé ma porte d'entrée. Ah oui, c'est là. Et par contre, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais, du coup, c'est complètement bête, parce que du coup, la graine, je l'ai obligé de la casser, mais je pensais que ça allait marcher. Alors, c'est des graines d'haricots qui me manquent, c'est embêtant. On n'avance pas beaucoup, là, on n'est pas vraiment efficace, là, aujourd'hui. Hein. Il faudrait peut-être qu'on avance un peu vite, parce que c'est vrai que le temps passe, et... J'aimerais bien faire autre chose que simplement poser des graines, mais bon, ça sera que ça, mais j'ai pas envie qu'on fasse une vidéo où on pose que des graines, quoi. Parce qu'on a déjà quasiment la moitié du temps écoulé. Ça passe trop vite, en vrai. Branches cassées, ouais, non, mais les branches cassées, par contre, ça va pas. Il faut définitivement des branches cassées, quoi. Et déjà, il faut que je pêche 3 branches cassées, Bon bah tant pis pour le truc, je vais juste prendre 3 branches cassées histoire d'avoir un marteau. Parce que mon marteau il va être cassé. C'est long quand même. Et comme j'ai dit, ça marche vraiment à chaque fois. Et par contre, je pense que c'est pas rentable. Hein. Ah bah j'ai pêché une sardine, bah voilà. C'est bizarre, j'ai pêché une sardine alors que pourtant l'endroit est tout petit. Une botte, donc caoutchouc. Ah oui, des fois on peut pêcher des trucs bizarres. Hein. Ça peut arriver qu'on pêche des trucs comme ça. Une sardine. Bah décidément, j'arrive pas à avoir de branches cassées. Parce que moi, j'avais dit qu'il y avait vraiment 100% de chance d'avoir des branches cassées, mais parfois on peut obtenir des bottes en caoutchouc ou ce genre de trucs. Une branche cassée. Ça dépend. Les croisements là, j'ai fermé, alors ça il fait beau, tant maintenant ça mieux. Ah, une botte en caoutchouc, mais en vrai, en plus, le pire c'est que les bottes en caoutchouc sur le jeu ça sert absolument à rien. C'est pas une blague, ça sert vraiment à rien. C'est bon, j'ai mes branches cassées. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, hein, vous voyez, juste en pêchant, j'ai mes branches cassées. Il faut pêcher dans la ville où on a le petit carré d'eau avec 10 blocs d'eau là. Du coup on pêche là-dedans, on est bon. Ah oui, alors par contre j'ai trop de trucs, moi qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai ça.
Voilà, c'est parfait. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'avais dit que je voulais faire ça, mais du coup... Tant pis, non mais c'est pas grave. Hein. Par contre, la table de craft, elle est vraiment, vraiment mauvaise endroit là. Alors, je la déplace, je sais pas où moi, mais... Ah oui, alors je voulais fabriquer une fontaine, parce qu'il y avait une quête qui me disait de fabriquer ça. Qu'est-ce qu'il me faut? De la pierre, hein, j'en ai pas. Bon, de la pierre, malheureusement, ça peut pas se pêcher, donc il va vraiment falloir que j'en récupère, quoi. Dans quel téléportail, le rouge ou le rouge? Je suis pas sûr qu'il y a de la... Je crois qu'il y a des cailloux, c'est sûr. Mais j'ai bien fait de prendre une nouvelle... un nouveau truc comme ça. Parce que là, elle est cassée, là, donc... En plus, j'ai récupéré la première fois de la pierre. Hein. Et bah, j'ai récupéré une hache de pierre, j'avais pas en faire jusqu'à présent, donc... bonne nouvelle, hein. J'avais dit qu'il m'en fallait 5, du coup. Hein. De pierre. Ah, je pensais qu'il y en avait plus que ça, du coup, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus 4. Hein. Bah, c'est pas avec ça que je vais aller loin, moi. Elle a toujours pas cassé, hein, pourtant, là, elle est au bout du bout, là. Hein. On va même plus la barre de vie tellement c'est cassé. Bon, voilà. T'en fais encore avec l'épée, salut, je viens de m'inventer. Hein. Voilà, j'ai dit quelques jours, on s'en va le faire, maintenant. Donc j'ai dit caillou, du coup maintenant ça va le faire. Fontaine. Donc c'est parfait, j'ai fabriqué une fontaine. Donc il faut que je la pose à l'endroit où il y a l'eau, c'est-à-dire ici. Ouais, là, par exemple. Et j'ai construit des bains purifiants pour la première fois. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Non. Alors, il n'y avait pas de personne qui avait besoin d'eau, il me semble. Non, il leur faut du pain ou des frites. Hein. Alors, comment on fait du pain et des frites? Ben, ça... Alors, ça veut dire que c'est mûr. Hein. Enfin... Mûr, pas forcément. Je pense qu'il faut les taper plus quand elles sont plus quand c'est mûr, et le problème c'est que je les ai tapés alors que c'est pas mûr. Parce que normalement ça devrait donner beaucoup plus de récolte si jamais c'était mûr. Donc je me suis fait avoir et j'ai tapé alors que je devrais pas. Donc là j'ai cassé des récoltes. Ouais, j'ai cassé les récoltes parce que je pense que du coup je les ai cueillis alors que c'était la mort. Et en plus j'ai toujours pas complété la tâche du planqué là. Donc là j'ai utilisé ça pour rien. Là j'ai perdu des ressources très 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 importantes. Faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Après je pourrais en avoir en illimité. Hein. Parce qu'en réalité, quand ça sera poussé au max, hein, et vraiment puis Harico, je sais pas si c'est poussé au max. Hein. Je crois pas. Non, c'est pas au max. Il faut y taper plus quand c'est vraiment poussé au max, parce que si jamais c'est pas le cas, bah ça va pas. Alors la table de craft, du coup, je vais l'enlever. Je vais la déplacer ailleurs. Comme j'ai dit, ça prend trop de place. Là, au moins, ça gênera personne ici. On va aller faire cuire, du coup, quelques trucs. Hein. Alors, c'est où déjà la cuisine, hein. Je sais plus, c'est... Ouais, c'est ici. Mais en fait, on va jamais dans le coffre, mais des fois, il y a du manger, des fois, qui est déjà cuit, en fait. Voilà. On va quand même les faire cuire. Alors, service en porcelaine. Qu'est-ce qui se passe? J'en fabrique pas grand-chose. Alors, pour fabriquer du pain, malheureusement, ben, je sais pas. Ah si, je sais qu'on fabrique du pain. Le problème en gros c'est que ça c'est pas assez puissant. En gros il faut que je fabrique quelque chose de plus puissant qui me permet de fabriquer des ressources supplémentaires. Parce que là à l'heure actuelle, mon cuisinaire il n'est pas assez important hein, pour que je puisse faire des trucs meilleurs. Hein. Ah oui, le problème c'est que
Il me faut des murs de briques et et un tour de broche. Hein. Et les murs de briques, et bah c'est pas la porte à côté. Donc on ira forcément la prochaine fois. Parce que c'est pas la porte à côté et faut que je fasse tout un aller-retour pour ça. Waouh, tu as fabriqué une fontaine, tu les chiens, hein. Regarde comme l'eau est pure maintenant. Merci Gaëtan. Si mon pauvre papy avait pu boire une eau aussi pure, il serait peut-être encore de ce monde à l'heure qu'il est. Une eau si pure n'est pas juste destinée à la boisson, tu peux aussi t'en servir pour la faire cuisiner. Une bonne soupe bien chaude suffirait peut-être à mettre nos patients sur la voie de la guérison. Bien Gaëtan, il y a quelque chose d'autre qui pourrait venir en aide à ces patients et à nous tous en fait. Hein. Tout le monde au village réfléchit à une nouvelle arme. Tu veux savoir de quelle arme je parle? Eh bien, une arme assez puissante pour venir au bout, à bout du condor infernal. Nous savons que Manon, Jérôme et toi est déjà assez occupé à veiller sur les malades. Et nous nous sommes dit que nous allions essayer de t'aider. Bien entendu, nous ne pourrions pas fabriquer d'armes, mais nous pouvons au moins essayer d'avoir des idées. Je te ferai signe si nous arrivons à quelque chose. Hein. Et n'oublie pas, si tu veux puiser un peu d'eau pure de la fontaine purifiante, sers-toi d'un seau. Merci d'être peut-être chercher de ça pour moi, Gaëtan. Je suis sûr que cela nous sera très utile. Et ben, je sais pas si je pense que je vais pouvoir fabriquer un seau maintenant. Non. Ah, j'ai cru que j'allais apprendre la recette pour fabriquer un seau, vu que du coup elle me dit tiens, maintenant tu vas pouvoir avoir un seau, je sais pas quoi. Pourtant j'ai l'espoir, j'étais sûr et certain que ça allait me donner. Parce que dans mes souvenirs, il me semble. Il y a un moment on obtient une recette de comment fabriquer un seau. Alors peut-être que j'ai déjà obtenu hein, la recette de comment fabriquer un seau. Je peux plus, maintenant. Parce que je vais faire là, c'est que ici je vais placer de la terre parce que bah c'est toujours vite cette manche là. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ouais, ces blocs là, ils sont très 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 laids. Et de toute façon, c'était prévu depuis le début qu'il y a ces blocs-là. Alors, je sais plus si j'ai de l'eau ou pas dans mon inventaire. Hein. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais en vrai, en gros, ça, c'est un bloc d'eau. C'est que si je pose ça là, et ben, hop, vous voyez, tac, instantanément, ça va passer de l'eau. Oui, c'est pratique. Et l'eau, hein, pour vous dire, ne se contamine pas, même s'il y a des blocs chelous. Hein. L'eau ne se contamine pas malgré tout. Voilà, c'est à savoir. Et sur Dragon Quest Builders 2, l'eau ne se... Ah, c'est pas genre en mode tu places un bloc qui part, ça se met. Hein. Non, c'est plus compliqué que ça sur Dragon Quest Builders 2. C'est mieux fait, la gestion de l'eau est mieux faite, mais... Après, c'est comme ça, mais... Ouais, la gestion de l'eau est quand même mieux faite, parce que là, c'est vrai que tu peux... Tu places de l'eau et tac, ah, ça y est, c'est pas fait. Ils vont m'ennuyer déjà eux. Un dégât juste pour rigoler. Non, en vrai on rigole plus maintenant, on va vraiment les one shot quoi. De toute façon c'est pas compliqué, dès que la nuit elle arrive tu es obligé de passer la nuit quoi. De toute façon t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais bon c'est bon, je vais aller dormir parce que là vous voyez c'est beaucoup trop dangereux là. Et le fait de dormir ça va passer la nuit et puis on est tranquille. Celui-là du coup j'ai l'impression que c'est le mien. À chaque fois que je viens il est tout le temps ouvert. Hein. Ah par contre j'arrive pas à aller dans le lit. Ouais c'est pas pratique là par contre. Hein, mais... Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo du coup, ça y est ça fait déjà 20 minutes maintenant que le temps est écoulé.
Ça passe vite en même temps. Hein. Voilà, ça y est, ça fait 20 minutes maintenant. Donc du coup, bah, je vous retrouverai bah, du coup la prochaine fois pour jouer à Dragon Quest, donc la suite de notre aventure. Hein. Bon, je veux dire qu'on se retrouvera. Hein. On se retrouvera du coup bah, dans 3 jours, parce qu'elle sortira le 10. Donc la prochaine fois, elle sortira le dimanche 13 août. Donc au dimanche 13 août, peut-être qu'on s'en prochaine.